tu vois, il y a des combinaisons à faire. C'est vrai que Boris, il disait, c'est dommage parce qu'on aurait le temps un petit peu de travailler les combinaisons, que ce soit arrêté ou dans le jeu. D'accord ? Vous avez suivi un petit peu dans le coup de pied arrêté ce qu'il faut faire exactement ? Hein ? On est là, on demande ici, on se met en place, on demande, il lui remet, il frappe tout de suite, ou éventuellement il joue avec ses palettes. Vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit là tout à l'heure ? Non ? Voilà. Sinon, c'est bien, vous continuez à jouer en passe et appuyer sur tous vos passes. Mais le plus important, c'est voilà. Ce que je vous demande, ce qu'on va demander avec Maurice, pensez maintenant, quand on attaque, l'attaque elle est finie, c'est de se remettre en place. Voilà. D'accord ? Alors si on se met en place, donc on va dire que, toujours pareil, le terrain il est comme ça. Donc Maurice il a mis en place un schéma tactique, c'est ça, ça, ça. Vous avez compris que vous avez joué comme ça ? Vous avez compris ou pas ? Donc ça veut dire que là, on va dire c'est une médiane, et bien quand vous regardez, c'est chacun à sa zone. Comment ? Ben, en fait ça fait ça en fait. Donc lui là, on a regardé ici, ça fait il a sa zone ici, lui il a sa zone là, toute cette zone là. En fait, il partage les soies comme ça. Voilà. Chacun a sa zone. Donc, soit sinon, vous verrez, il y a un truc important, c'est... Là, vous avez la cage. Voilà. Et normalement, chacun a sa zone. Donc, soit après, il y a ça, il y a ce type de tactique, sinon, il y a ça. Comme je disais à Maurice tout à l'heure, ça, c'est aussi ça intéressant. De deux. Toujours pareil, en futsal, chacun a sa zone. Ok ? Voilà. Voilà un petit peu pour le futsal. Donc, il y a une chose aussi qui est très importante, tenir en compte, c'est la distance. Voilà, que vous jouez comme ça ou comme ça. C'est la distance qu'il y a entre vous. Qui est très importante. Il ne faut pas que ce soit que vous soyez éloignés les uns des autres. D'accord ? Il faut jouer près en fait. Il faut vraiment être près les uns des autres. L'écart entre vous, il doit être vraiment serré. Et donc si je comprends bien, si je comprends bien, donc, on joue en bloc. Hein ? Et ça, vous connaissez, hein ? D'accord ? Et être toujours concentré sur le ballon. Toujours concentré sur le ballon. Ce que je vous demande, avec Maurice, on joue, donc on attaque tous ensemble, et à un moment donné, l'attaque elle est finie, on se replace avec un qui est à la droite, et les autres ils sont là derrière avec moi. D'accord ? Ok ? Allez, venez, on va reconstituer l'équipe.